FSI, French Revised, Unit 10, Tape 3. Exercice B3. Nous l'avons expédié il y a 8 jours. Nous l'avons expédié il y a 8 jours. Je l'ai terminé. Je l'ai terminé il y a 8 jours. Il y a un mois. Je l'ai terminé il y a un mois. On m'en a parlé. On m'en a parlé il y a un mois. Il y a quelques minutes. On m'en a parlé il y a quelques minutes. Je viens d'arriver. Je viens d'arriver il y a quelques minutes. Il y a 5 minutes. Je viens d'arriver il y a 5 minutes. Il m'a quitté. Il nous a quittés il y a 5 minutes. Il y a un an. Il nous a quittés il y a un an. On l'a construit. On l'a construit il y a un an. Il y a longtemps. On l'a construit il y a longtemps. Nous l'avons expédié. Nous l'avons expédié il y a longtemps. Il y a 8 jours. Nous l'avons expédié il y a 8 jours. Exercice B4. Il vous prie de l'attendre. Il vous prie de l'attendre. Vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin de l'attendre. De les essayer. Vous n'avez pas besoin de les essayer. J'ai oublié. J'ai oublié de les essayer. D'en acheter. J'ai oublié d'en acheter. Il n'est pas nécessaire. Il n'est pas nécessaire d'en acheter. De leur téléphoner. Il n'est pas nécessaire de leur téléphoner. Nous avons essayé. Nous avons essayé de leur téléphoner. De la réparer. Nous avons essayé de la réparer. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin de la réparer. De l'attendre. On n'a pas besoin de l'attendre. Il vous prie. Il vous prie de l'attendre. Exercice B5. Je crois que je suis un peu en avance. Je crois que je suis un peu en avance. Je sais. Je sais que je suis un peu en avance. Qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Je sais qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter.
J'espère. J'espère qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Que vous n'en avez pas pour longtemps. J'espère que vous n'en avez pas pour longtemps. Ils savent. Ils savent que vous n'en avez pas pour longtemps. Que votre avion atterrit à 10 heures. Ils savent que votre avion atterrit à 10 heures. Il dit. Il dit que votre avion atterrit à 10 heures. Qu'ils sont en train de fermer. Il dit qu'ils sont en train de fermer. Je crois. Je crois qu'ils sont en train de fermer. Que je suis un peu en avance. Je crois que je suis un peu en avance. Question sur le dialogue. Monsieur Morin a-t-il appelé sa secrétaire? Oui, il l'a appelé. De quelle commande parle-t-il? Il parle de la dernière commande. De quoi monsieur Pelletier se plaint-il? Il se plaint de ne pas l'avoir reçu. La secrétaire a-t-elle envoyé la commande? Oui, elle l'a envoyé. Quand l'a-t-elle envoyé? Il y a 8 jours environ. Monsieur Pelletier ne l'a-t-il pas reçu? Non, il ne l'a pas reçu. Y a-t-il lieu de s'inquiéter? Non, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Monsieur Pelletier a-t-il envoyé une lettre à Monsieur Morin ou à la secrétaire? Il l'a envoyé à Monsieur Morin. De quoi se plaint-il dans sa lettre? Il se plaint de ne pas avoir reçu sa commande. Que vont faire Monsieur Morin et sa secrétaire? Ils vont répondre à Monsieur Pelletier. Comment la secrétaire prend-elle la lettre? Elle la prend en sténo. Que lui manque-t-il? Il lui manque un bloc et des crayons. Y en a-t-il au bureau? Oui, il y en a. Pourquoi la secrétaire va-t-elle chercher un bloc et des crayons? Pour prendre la lettre en sténo. Monsieur Morin écrit-il sa lettre? Non, il la dicte à sa secrétaire. En combien d'exemplaires la tape-t-elle? Elle la tape en 3 exemplaires. Faut-il que Monsieur Morin signe la lettre? Oui, il faut qu'il la signe. Quand la lettre est terminée, Monsieur Morin va-t-il la chercher?
Non, sa secrétaire la lui apporte. Qui est monsieur Jean Larue? C'est un client. Pourquoi est-il au bureau? Il a rendez-vous avec monsieur Morin. À quelle heure est son rendez-vous? Son rendez-vous est à 4 heures. Est-il en retard? Non, il est en avance. Où est monsieur Morin? Il est en conférence. En a-t-il pour longtemps? Non, il a presque terminé. Point de grammaire 1. Comparatif. Exercice de présentation. Exercice 1. Vous conduisez mieux que d'habitude. Vous conduisez mieux que d'habitude. Ils vont mieux? Ils vont mieux que d'habitude. Elle travaille mieux. Elle travaille mieux que d'habitude. Il conduit mieux. Il conduit mieux que d'habitude. Elle va mieux. Elle va mieux que d'habitude. Vous travaillez mieux. Vous travaillez mieux que d'habitude. Elle tape mieux. Elle tape mieux que d'habitude. Vous allez mieux. Vous allez mieux que d'habitude. J'entends mieux. J'entends mieux que d'habitude. Exercice 2. Cet hôtel est meilleur que l'autre. Cet hôtel est meilleur que l'autre. Plus grand. Cet hôtel est plus grand que l'autre. Plus petit. Cet hôtel est plus petit que l'autre. Meilleur. Cet hôtel est meilleur que l'autre. Plus cher. Cet hôtel est plus cher que l'autre. Plus beau. Cet hôtel est plus beau que l'autre. Meilleur. Cet hôtel est meilleur que l'autre. Plus joli. Cet hôtel est plus joli que l'autre. Plus mauvais. Cet hôtel est plus mauvais que l'autre. Meilleur. Cet hôtel est meilleur que l'autre. Exercice 3. Vous entendez aussi bien que moi. Vous entendez aussi bien que moi. Vous comprenez mieux. Vous comprenez mieux que moi. Vous conduisez aussi bien. Vous conduisez aussi bien que moi. Vous conduisez mieux. Vous conduisez mieux que moi. Vous tapez aussi bien.
Vous tapez aussi bien que moi. Vous tapez mieux. Vous tapez mieux que moi. Vous allez aussi bien. Vous allez aussi bien que moi. Vous allez mieux. Vous allez mieux que moi. Vous travaillez aussi bien. Vous travaillez aussi bien que moi. Vous travaillez mieux. Vous travaillez mieux que moi. Exercice 4. Ce magasin est aussi bon que l'autre. Ce magasin est aussi bon que l'autre. Ce magasin est meilleur. Ce magasin est meilleur que l'autre. Cet hôtel est aussi bon. Cet hôtel est aussi bon que l'autre. Cet hôtel est meilleur. Cet hôtel est meilleur que l'autre. Cette épicerie est aussi bonne. Cette épicerie est aussi bonne que l'autre. Cette épicerie est meilleure. Cette épicerie est meilleure que l'autre. Ce vin est aussi bon. Ce vin est aussi bon que l'autre. Ce vin est meilleur. Ce vin est meilleur que l'autre. Ce costume est aussi bon. Ce costume est aussi bon que l'autre. Ce costume est meilleur. Ce costume est meilleur que l'autre. Exercice 5. Vous conduisez aussi mal que moi. Vous conduisez aussi mal que moi. Vous conduisez plus mal. Vous conduisez plus mal que moi. Vous travaillez aussi mal. Vous travaillez aussi mal que moi. Vous travaillez plus mal. Vous travaillez plus mal que moi. Vous comprenez aussi mal. Vous comprenez aussi mal que moi. Vous comprenez plus mal. Vous comprenez plus mal que moi. Vous tapez aussi mal. Vous tapez aussi mal que moi. Vous tapez plus mal. Vous tapez plus mal que moi. Vous comptez aussi mal. Vous comptez aussi mal que moi. Vous comptez plus mal. Vous comptez plus mal que moi. Exercice 6. Ce crayon est aussi mauvais que l'autre. Ce crayon est aussi mauvais que l'autre. Ce crayon est plus mauvais. Ce crayon est plus mauvais que l'autre. Cette dactylo est aussi mauvaise. Cette dactylo est aussi mauvaise que l'autre. Cette dactylo est plus mauvaise. Cette dactylo est plus mauvaise que l'autre.
cet apéritif est aussi mauvais. Cet apéritif est aussi mauvais que l'autre. Cet apéritif est plus mauvais. Cet apéritif est plus mauvais que l'autre. Cette machine à écrire est aussi mauvaise. Cette machine à écrire est aussi mauvaise que l'autre. Cette machine à écrire est plus mauvaise. Cette machine à écrire est plus mauvaise que l'autre. Cette coupe de cheveux est aussi mauvaise. Cette coupe de cheveux est aussi mauvaise que l'autre. Cette coupe de cheveux est plus mauvaise. Cette coupe de cheveux est plus mauvaise que l'autre. Exercice 7. Elle tape aussi bien que la secrétaire. Elle tape aussi bien que la secrétaire. Elle tape mieux. Elle tape mieux que la secrétaire. Elle tape plus mal. Elle tape plus mal que la secrétaire. Elle tape aussi mal. Elle tape aussi mal que la secrétaire. Elle tape moins bien. Elle tape moins bien que la secrétaire. Elle tape moins mal. Elle tape moins mal que la secrétaire. Exercice 8. Elle est aussi jolie que la secrétaire. Elle est aussi jolie que la secrétaire. Plus jolie. Elle est plus jolie que la secrétaire. Aussi grande. Elle est aussi grande que la secrétaire. Plus grande. Elle est plus grande que la secrétaire. Aussi bonne. Elle est aussi bonne que la secrétaire. Meilleure. Elle est meilleure que la secrétaire. Exercice 9. Cette auto est aussi bonne que l'autre. Cette auto est aussi bonne que l'autre. Cette auto est meilleure. Cette auto est meilleure que l'autre. Cette auto marche aussi bien. Cette auto marche aussi bien que l'autre. Cette auto marche mieux. Cette auto marche mieux que l'autre. Cette auto est aussi mauvaise. Cette auto est aussi mauvaise que l'autre. Cette auto est plus mauvaise. Cette auto est plus mauvaise que l'autre. Cette auto marche aussi mal. Cette auto marche aussi mal que l'autre. Cette auto marche plus mal. Cette auto marche plus mal que l'autre. Cet employé est aussi bon.
Cet employé est aussi bon que l'autre. Cet employé est meilleur. Cet employé est meilleur que l'autre. Cet employé travaille aussi bien. Cet employé travaille aussi bien que l'autre. Cet employé travaille mieux. Cet employé travaille mieux que l'autre. Exercice 10. Vous conduisez aussi mal que moi. Vous conduisez aussi mal que moi. Vous conduisez plus mal. Vous conduisez plus mal que moi. Vous travaillez aussi mal. Vous travaillez aussi mal que moi. Vous travaillez plus mal. Vous travaillez plus mal que moi. Vous comprenez aussi mal. Vous comprenez aussi mal que moi. Vous comprenez plus mal. Vous comprenez plus mal que moi. Vous tapez aussi mal. Vous tapez aussi mal que moi. Vous tapez plus mal. Vous tapez plus mal que moi. Vous comptez aussi mal. Vous comptez aussi mal que moi. Vous comptez plus mal. Vous comptez plus mal que moi. This is the end of tape 3, unit 10.